Vous en avez marre de vous perdre sur Minecraft? Eh ben, j'ai trouvé un mode pour vous, les amis. On se retrouve pour un test de mode, découverte même plutôt. Parce que test de mode, bon, je suis en train de tester en présent. Comme vous pouvez le voir, il y a un truc qui me suit. Oh mon dieu, un serpent blanc! Non, ce n'est pas un serpent blanc. C'est simplement une ligne qui va vous permettre de rentrer chez vous sans vous perdre. Par exemple, voilà, je vous ai perdu, vous avez utilisé le mode en appuyant sur la touche P pour avoir une ligne qui vous suit. Et alors, vous avez... votre direction. Et comme vous pouvez voir, voilà, tout ce que je passe, ben même si je passe à côté par exemple, hop, voilà, vous pouvez voir que ça s'efface. Voilà, vous pouvez voir que le truc s'efface pour ne pas me perdre. Voilà, et regardez ça, je vais directement rentrer à l'endroit, enfin à l'endroit où ce que je m'étais mis au départ avant de mettre le mode, avant d'activer le mode. Donc hop, là on voit les... Dommage, c'est que quand il est dans la lumière, on le voit plus trop. Et hop, on est de retour à la maison. Enfin à la maison. Et voilà, après vous dormez une deuxième fois sur P et ce sera désactivé. Donc c'est un mode pour la 1.5.2, un mode très simple et très utile pour ceux qui aiment bien s'aventurer et qui n'aiment pas se perdre et qui n'aiment pas poser des torches sans arrêt. Et alors un truc très marrant, un truc assez marrant, quand on appuie sur P, regardez ce qui marque. Tereus, my love, come back alive. Tereus, mon amour, reviens en vie. Donc même si par exemple je suis en créatif, voilà, j'ai fait des constructions, je me balade après un peu partout, je suis en créatif, donc ah ben hop, voilà, ça flotte, ça vole. Il y a volt. Ta gueule. Bref, c'est un mode assez sympathique. Donc si vous pouvez, si par exemple, allez, je vais essayer de trouver quelque chose de ce que je voulais vous montrer plus simplement pour que ça soit un peu plus explicite, même si je pense que vous n'êtes pas con à ce point pour ne pas comprendre l'utilité de ce mode. Et donc je vais vous trouver donc une petite mine. J'avais vu qu'il y avait une genre de mine là en dessous quand j'ai eu le... Voilà, je l'ai passé. Donc présent, voilà, vous êtes rentré ici dans la mine, voilà, et vous voulez vous balader sans poser de torche, mais vraiment à l'arrache quoi, en gros. Vous voulez vous balader à l'arrache dans la mine, donc hop. Je sais pas si je suis en brightness, je pense pas. Ah si. Voilà, hop. Et regardez, dans le noir, il faut... Ouh, par contre, j'ai des petits lags parce que la map se génère. Il faut savoir que dans le noir, regardez, ça se voit énormément bien. Moi, comme ça, vous êtes sûr de pas vous perdre dans la mine. Surtout quand c'est des petites mines comme ça, voilà. Hop, vous tournez dans tous les sens. Et au bout d'un moment, vous ne savez plus par où vous venez et de quel côté vous êtes arrivé. Qui est, peut être assez embêtant, voilà. Je vais faire des petits tours un peu partout dans la mine. Voilà, hop, je passe par là. Non, je change de direction. Hop, je vais passer par là. Voilà, ici je passe, ici je continue. Oui, je continue tout droit. Je cheat, je vole, je saute. Voilà. On voit vraiment que ça suit ma direction. Et que après, je pourrais aller n'importe où. Je vais pouvoir retrouver. Donc je vais aller jusqu'ici. Et je vais faire demi-tour dans la mine. Et vous allez voir que ça va mener à l'endroit où ce que j'ai commencé. Donc à l'endroit où j'ai fait le trou. Donc hop, bien sûr, en passant par ici. Remonter. Continuer à courir. Enfin courir. On marche quoi, je veux dire là. Voilà, comme ça au moins vous êtes plus obligé de par exemple torcher votre mine toujours à droite en utilisant une cinquantaine de torches. Et ça pourrait être un peu embêtant des fois. Il y a des gens qui n'aiment pas trop faire ça ou qui n'y pensent pas. Et voilà, vous êtes, comme vous pouvez le voir, de retour ici. Et là j'ai désactivé, donc je l'ai désactivé, donc le fil ne me suit plus. Hein. Là en fait, vous avez une touche tout simplement pour savoir utiliser ceci, c'est la touche P. Donc comme vous pouvez le voir, Ariane c'est Thread. C'est la touche P en fait, c'est ce qui va déployer la corde. Donc voilà, déployer la corde comme ça. Et si par exemple, si vous êtes par exemple allé à un endroit et que vous dites comme ça, bon la corde ne me servira à rien et qu'elle vous suit, vous appuyez, regardez, je vais appuyer sur P. Hop, et la carte désactive. Par contre, si je réappuie sur P, hop, ça recommence ici. Hein. Ça va pas recommencer là-bas. Faut pas non plus trop t'espérer et attendre que vous, on vous mâche le travail. Nah. C'est un mode très simple qui peut être assez pratique pour les fans d'aventure, pour les fans qui aiment bien se... Pour les fans qui aiment bien se balader dans les mines ou dans les aventures sans pour autant utiliser une cinquantaine de torches ou une trois-centaine de torches. Donc, voilà. Donc je pense que la vidéo touche déjà à sa fin, car oui, un test de mode n'est pas très long, surtout celui-là, vu qu'il n'y a pas grand chose à expliquer. Mais bon, ça fait toujours plaisir de vous expliquer un mode si vous voulez savoir s'il est utile ou pas très utile. Moi pour moi, je vais vous dire un truc, je le trouve... Oh, des diamants.
Je le trouve, ça me servira à rien de les prendre. Je le trouve quand même sacrément utile, mais c'est pas un mode que je rajouterai dans mon let's play pour une simple bonne raison de comment je vais dire ça, un peu de roleplay quoi, parce que si je me perds, bah ça sera ma faute et pas, j'ai pas, je dois faire attention à bien utiliser mes trucs. Donc voilà, je pense que la vidéo touche à sa fin. Voilà, j'ai trouvé une méga mine qui va me servir à rien parce que j'ai pas, parce que je vais pas y jouer dans cette mine. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et à plus tard. Allez, à plus!